Même si je suis capable de tomber sur une peinture, sur une toile, parce que je m'habitue avec coup de pinceau, je suis capable de dire exactement qui est l'artiste qui fait ça, parce que je connais le type de pinceau, ça, je connais le type de bagaille. C'est même avec bon Dieu. Lorsque vous regardez l'univers, lorsque vous regardez l'ordre qui existait dans la création, il y a nécessairement besoin d'un bon Dieu, un ordre, il y a nécessairement besoin d'une intelligence qui est à la base de toute bagaille. Et c'est ça Paul a expliqué dans Romains 1er verset 19 à 20. Paul a dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que yo connaît vérité, yo au courant de vérité, mais cependant yo kembel captive. Mot anglais qui utilisait ça, c'est suppress, dans le sens que yo supprimer, yo suppresser vérité, y a presser vérité. Yo connaît, mais yo kembel vérité captive. Et Paul va l'expliquer ça qui passé. Il dit car tout ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Tout ça au monde est capable de connaître de bon Dieu, tout ça au besoin connaître de bon Dieu, il suffit que observer l'univers. Il suffit que observer l'ordre qui existait dans l'univers. Il suffit qu'on regarde le design qui existait dans l'univers. Il suffit qu'on regarde la complexité qui existait dans l'univers. Donc ça veut dire plus que design complexe, plus designer a besoin intelligent. C'est même genre pour un téléphone. Pour un téléphone, nous avons un smartphone. Puisque le téléphone, on a le smartphone, le monde qui fait là a besoin smart. Donc c'est même genre lorsqu'on regarde l'univers. Puisqu'on a un design là-dedans, puisqu'on a une intelligence derrière, puisqu'on a un code là-dedans, ou un programme dans l'univers, et donc on a besoin nécessairement d'un programmeur. Et donc Paul a dit tout bagaille, ça est évident pour eux-mêmes, Dieu le leur ayant fait connaître. Comment? Dans sa révélation générale dans la nature. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire effort pour ça, ou seulement besoin d'ouvrir les yeux et garder beauté, mon Dieu. Ou seulement besoin d'ouvrir les yeux, garder création, et puis on voit la majesté de Dieu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Par conséquent, tout le monde qui observait l'univers, tout le monde qui observait la création, tout le monde qui observait la nature et qui pas reconnaître bon Dieu, Paul dit qui ça? Ils sont inexcusables. C'est-à-dire que pas de bloc pour laver ou inexcusable. Et donc, dans le premier niveau de révélation, c'est la révélation de Dieu dans la création, dans la nature. Toujours dans la révélation générale, là, on voit la révélation de Dieu dans la conscience de l'homme. En sorte que bon Dieu inscrit dans le cœur de moi-même avant, ça aurait une loi morale. Nous faisons avec elle. Donc, les valeurs morales objectives, ce n'est pas un bagage que la société fait. Ce n'est pas un bagage, ce n'est pas une convention que le monde fait, que le monde met tête ensemble. Il dit, bon, on fait une convention, on dit que ce n'est pas bon pour tuer, ce n'est pas bon pour violer, ce n'est pas bon pour faire ceci. Non, instinctivement, nous avons ça à la caille. C'est ça que nous avons une connaissance intuitive. Nous connaissons, même si nous connaissons 2 plus 2 égale à 4. C'est une connaissance intuitive que nous gagnons pour ce qui concerne le bien et le mal. Maintenant, si bon Dieu mettait une loi en dans que nous, tout côté où on loi, on a besoin de législateur. Et donc, dans ce sens, ça, le fait que nous avons une conscience sous bien et mal, ça veut dire que nous avons un bon Dieu. Mais non seulement nous avons un bon Dieu, mais nous coupables. Parce que nous avons accusé nous. Constamment. Et c'est ça que Paul va l'expliquer dans Romains 2, verset 14 à 16. Il dit, quand les païens qui ne font point, quand les païens qui n'ont point la loi, donc Paul a parlé de monde qui n'est pas juif, Paul a parlé de grec, la parler des barbares, la parler des gentils. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, naturellement ils ont fait bien, ils sont eux-mêmes qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant tour à tour ou se défendant tour à tour. Donc, on a une lutte interne. Tout le monde qui est honnête avec tes droits réalise une lutte interne dans vous-même. Vous voulez faire bien, mais mal l'attaché avec vous. Mais cependant, l'on fait bien, on connaît. L'on fait mal, là, on connaît. Donc, pensez à accuser constamment. Donc, bon Dieu crée dans vous-même une loi morale qui constamment à travail. Et donc, loi ça, qui ça doit faire? Il doit pousser à la repentance. Donc, même si vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Même si beaucoup jamais entendu l'évangile, seulement regarder la création, ou après la majesté de Dieu, seulement suivre sa cap dit dans la loi conscience qui est dans le cœur, ça doit porter à la repentance. Maintenant,
qui fonction révélation générale là? Pour qui ça bon Dieu ba nous révélation générale là? Révélation générale là, il remplit deux fonctions. Première fonction que il remplit, c'est que il démontre la gloire de Dieu. Et c'est ça que David dit lorsque il dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc automatiquement, ou garder la création, où est la majesté de Dieu, où est la beauté de Dieu, où est la perfection de Dieu. Mais non seulement la création lui révèle la majesté de Dieu, lui révèle la gloire de Dieu, mais en même temps lui responsabilise. Il met au devant fait accompli. Il faut réaliser pour ses pécheurs. Il faut réaliser par un lion qu'a fait pour tête. Il faut réaliser qu'on pas qu'à améliorer tête, indépendamment du niveau de connaissance que on gagne. Indépendamment du niveau de savoir, indépendamment du niveau degré d'avancement société, ou Dieu pas qu'à empêcher pour pas faire mal. Et puis conscience ou travail. Conscience ou abdou. Récemment, il y a un monde qui t'a dit que, alors nous comptons, ils ont habitué à prêcher ça déjà, ils ont dit que, et depuis qu'ils font bagaille, cœur cassé, et c'est parce qu'ils ont un Saint-Esprit bon Dieu dans la vie. Non, cœur cassé parce que la loi bon Dieu inscrit dans le cœur. Si le cœur pas cassé, ça veut dire tuer conscience là. Donc, monde qui chrétien, monde qui pas chrétien, l'œuvre pral font bagaille, cœur cassé quand même. Monde qui a fait 0 tourner 9 là, cœur cassé quand même. C'est pas parce que c'est chrétien. Donc, ou pas cet esprit bon Dieu dans le cœur qui ça le fait, lui convainc. Cet esprit bon Dieu a deux fonctions. Il a une fonction envers incroyant, il a une fonction envers croyant. Envers non-croyants, la Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu, il convainc le pécheur en ce qui concerne le péché, il convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc ça, c'est le ministère du Saint-Esprit parmi les non-croyants. Maintenant, pour les croyants, la Bible dit nous que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, dans ce sens-là, on pas besoin de l'Esprit, bon Dieu, fait que on casse, parce qu'on a la pensée de Christ. Parce qu'on a la pensée de Christ dans nous-mêmes, ou qu'on est automatiquement ça va pour vous. Mais pour ceux qu'il s'agit de cœur cassé, cœur chrétien a cassé, cœur païen a cassé. Donc cœur cassé, ce n'est pas un indicateur que on a bon Dieu. Cœur cassé parce qu'on sont monde, parce que bon Dieu crée avec une loi en dedans, une loi conscience, une loi morale qui dicte qui ça qui bien, qui ça qui mal. Et donc parce que bon Dieu crée l'homme avec une loi en dedans qui pour faire que le cassé, le bras le fait bien, le bras le fait mal, l'homme responsable de toute action. Et c'est ça que Paul a expliqué dans deux versets ça que nous sommes gardés ensemble avec vous. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tout le monde qui observait la création, qui pas met à genoux pour adorer le Créateur qui est béni éternellement, Paul dit que monde ça est inexcusable. Et en même temps, Paul dit que pour les païens, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant tour à tour. C'est que cassé notre palais là. Que ne va pas accuser constamment, c'est que cassé. Donc, païen, selon la Bible, il y a même que cassé que chrétien a gagné. Donc, ce n'est pas un indicateur du Saint-Esprit, mais c'est tout simplement le fait que bon Dieu crée nous comme ça. Mais Paul dit que, car c'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrète des hommes. Et donc, je vais poser question encore. Pour tout le monde qui mourit sans que vous pas évangélisé, pour tout le monde qui mourit sans que vous pas contre Christ, sous qui base que vous ne pas le juger? Vous ne pas le juger sur une base réponse par rapport à la révélation de Dieu. Donc, tout le monde coupable. Tout le monde coupable devant mon Dieu. Dans le sens que tout le monde a accès à la révélation générale de Dieu. Tout le monde a accès. Parce que là, l'un aspect révélation générale là, c'est que l'universel, l'est donné à tout le monde. Tout le monde capable d'apprécier la gloire de Dieu dans la création. Et tout le monde a cette loi morale dans la conscience, dans le cœur, qui a constamment accusé. Et donc, par conséquent, pour tout le monde qui mourit sans que yo pas connaît Jésus-Christ, sans que yo pas jamais t'entendre parler de l'évangile, yo coupable quand même en fonction de réponse à la révélation générale de Dieu. C'est-à-dire que si yon moun, même s'il pas connaît Jésus-Christ, même s'il pas jamais entendu parler de l'évangile, mais s'il y répond positivement à la révélation générale de Dieu dans la création, c'est-à-dire dans la nature et dans sa conscience, automatiquement il répond à ça,
moun sa a sauvé. Et c'est ça que je vais le prouver tout à l'heure. Donc en sorte que nous responsables. Et tout le monde qui mourit avant Jésus-Christ vini, bon Dieu juge moun sa yo sous base réponse par rapport à la révélation de Dieu dans la création et dans la conscience. Cependant, pour moi et ma veille, cap vivre dans un pays chrétien, ou bien cap vivre dans un pays côté l'évangile prêché, pour moi et ma veille qui tendait l'évangile, bon Dieu pas pral juger nous sous base la révélation générale, bon Dieu pral juger nous sous base la révélation spéciale. C'est-à-dire que nous connaissons Jésus-Christ, nous tendons des messages l'évangile, l'évangile prêché, ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, donc sous mourir, tout bagaille fini. Donc deux jugements. Il y a des gens qui jugent sous base, des gens qui ne parlent pas de Christ, des gens qui ne parlent jamais de parler de Christ, bon Dieu a jugé sous la base de réponse que vous avez par rapport à la révélation générale dans la nature et dans la conscience. Mais pour les gens qui tendaient l'évangile annoncé, mais qui ne répondent pas positivement, bon Dieu va juger les gens sous base du rejet que vous faites de la parole de Dieu. Mais quel que soit le cas de figure là, le salut a toujours été une question de grâce et une question de choix. Grâce pourquoi? Grâce parce que bon Dieu bail tout le monde accès. Parce que volonté bon Dieu c'est que tout le monde sauvé. Donc bon Dieu bail tout le monde une révélation universelle pour ce qui concerne la création. Tout le monde a conscience et tout le monde capable d'apprécier la révélation de Dieu. Et donc sous base ça, on va juger. On va juger sous base. Bon Dieu offre aux grâces là et puis le bon choix. Dans le sens que on doit garder révélation, hein, ou accepter la révélation générale, qu'on s'attend qu'on doit garder ou pas accepter. Maintenant, question que vous besoin poser, lorsque moi garder la révélation générale de Dieu à travers la nature et à travers la conscience, est-ce que révélation générale la présente le plan du salut de Dieu? Ça, c'est une belle question. Non. Réponse là, c'est non. Parce que lorsque moi garder création, il n'y a pas indiqué que mon sauveur qui pourra le mourir, il n'est pas indiqué que mon sauveur qui a mouru pour péché. Et donc, réponse là, c'est non. Cependant, dans la révélation que nous jouons, la révélation générale de Dieu, dans la création et dans la conscience, il y a deux informations que vous jouons là-dedans qui sont extrêmement pertinentes pour vous-même, qui sont des indices. Premièrement, la révélation générale de Dieu dans la création, les gens ont idée de la connaissance de Dieu. Donc, vous êtes capable de connaître bon Dieu à travers la révélation générale là. Et deuxièmement, libère la connaissance du péché. Et donc, bon, vous reprendre, la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, il fait deux bagailles pour vous-même. Libère la connaissance de Dieu, libère la connaissance du péché. En sorte que si vous voulez repentir, vous connaissez que bon, bon Dieu qui existait pour capable approcher de lui-même. Et donc, dans ce sens, ça, tout le monde a une possibilité pour approcher de bon Dieu à partir de la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience. Et nous allons présenter nous quelques versets sans ça. Côté bon Dieu promet, bon Dieu jure de par lui-même que tout le monde qui cherche la joindre. En sorte que tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui décidait que, parce que puisque révélation générale dans la nature et dans la conscience là, il fait qu'on connaît que bon Dieu qui existait, il faut qu'on ait pour son pécheur, mais monde qui décidait, sous une base de repentance, yo voulez approcher de bon Dieu ça, bon Dieu promet yo que si yo cherchez il y a besoin de lui. Et c'est ça la Bible dit dans Jérémie 29 verset 13, côté il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et ça a son promesse. La Bible dit nous que celui qui a fait la promesse est fidèle parce que son nom est fidèle et véritable. Et donc lorsque bon Dieu dit sous cherchez le besoin de lui, sous cherchez le besoin de lui. Et dans Proverbe 8, 17, il dit que « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Bon Dieu, mettez en phase sous lui. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire « Ah, ça, c'est pas l'Ancien Testament, en allant dans le Nouveau Testament. » Dans Matthieu 7, verset 7, 8, Jésus-Christ dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et Jacques finit pour dire, dans Jacques 4, le verset 8, pour dire que « Approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc tout le monde qui recevra la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui décide d'approcher de bon Dieu a approché de lui-même. Et lorsque bon Dieu a approché de lui-même, bon Dieu a eu une révélation spéciale
concernant son fils. Donc dans ce sens ça, pas de personne monde qui a condamné parce que pas de jambe d'étendre parler de Jésus-Christ. Mais nous condamnons déjà. Et c'est ça mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle là, c'est que nous condamnons déjà. Réalité, c'est ça que David dit lorsque David dit « Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. » Donc David a présenté que péché, ce n'est pas seulement un bagage que vous faites, mais péché a son condition liée, son statut que lié, son statut que vous faites avec elle, vous faites tout comme ça. Et donc tout le monde péché. Et c'est ça qui est exprimé dans Romains 3, verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, pour le monde qui mourit dans l'ancien temps, qui peut connaître Jésus-Christ, comment vous sauver? Tout le monde qui a reçu la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, qui répond positivement, le monde qui a sauvé comment? En Jésus-Christ. Il a sauvé en Jésus-Christ sans la conscience de Christ, sans la connaissance de Christ, parce que base saluant, c'est Jésus-Christ. Base saluant, c'est Jésus-Christ avant la loi, il était sous la loi, il était après la loi. C'est-à-dire que quel que soit le monde qui t'est sauvé, que ce soit dans les temps passés ou le monde qui a sauvé Kounia, tout a sauvé en Jésus-Christ en fonction de réponse que vous avez par rapport à la révélation générale de Dieu et par rapport à la révélation spéciale de Dieu, indépendamment de nationalité, indépendamment de dans quel pays vous êtes. Vous capable sont arabes, vous capable dans un pays musulman. Il suffit que vous répondez positivement à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Ou cherchez bon Dieu a quitté au joigne. Et lorsque vous joignez bon Dieu a bâti une révélation spéciale concernant son fils. Et c'est ça que nous allons regarder tout à l'heure. Mais avant, quittez seulement faire un exemple pour nous capables, véritablement capables de suivre moi. Lorsque bon Dieu pral juger Égyptien, et parce que Pharaon pas voulu quitter Tibon Israël, yo aller, bon Dieu dit, Moïse, je pral juger tout premier-né en Égypte. Seul monde qui vive, c'est seulement monde qui gagne sous tête porte, yo passé 100 agneaux. Parce que tout le monde a besoin de sacrifier un agneau, c'était Pâques là, vous sacrifiez, vous mettez 100 sous l'into porte. Et lorsque les anges destructeurs ont passé, depuis les anges là où est 100, les anges là, ils passaient sous tête Kaïla, là, le côté 100 pas là. Le ça qui s'est passé, c'est ça que fait lorsque Israël quittait l'Égypte, c'est pas seulement juifs qui étaient là, les Égyptiens tout étaient là. Pour qui ça? Parce que le sang était sous l'intoporto. Donc automatiquement, sang était sous l'intoporto, nationalité ou pas important. Automatiquement, sang était sous l'intoporto, condition sociale ou pas important. Et c'est même bagaille là en Jésus-Christ. Automatiquement, ou réclamer le sang de Jésus-Christ. Automatiquement, ou réclamer bon Dieu à partir de révélation, ça a que gain de bon Dieu, ou sauver en Jésus-Christ, même lorsque ou pas gain conscience de Christ. Quittez m'expliquer samedi, pour le capable vraiment clair pour nous-mêmes. À tout le monde, en tout temps et en tout lieu, qui recevoir la révélation générale de Dieu, bon Dieu a facilité pour eux-mêmes l'accès à la révélation spéciale. Et comment bon Dieu fait ça? À travers son relais en révélation particulière. Pendant ma parole, là, il y a un pile musulman qui a accepté Jésus-Christ. Mais on va jamais entendre un monde venir évangéliser. C'est tout simplement au fond rêve. Pour qui ça? Parce que c'est des mondes qui cherchent bon Dieu. Parce que celui qui me cherche me trouve. Et donc, on va retomber sous bon Dieu. Pendant ma parole, il y a plusieurs musulmans. Ma pensée avec Youn récemment, qui sont apologètes et qui décédé, il écrit un livre Seeking Allah, Finding Jesus. Parce que c'est bon Dieu qui t'a cherché. L'a cherché bon Dieu, puisque selon principe, là, de pouvoir chercher bon Dieu a quitté au joint de nous, l'a tombé sous Jésus-Christ quand même. Et donc, bon Dieu permet à tout le monde, en tout temps, en tout lieu, qui répondent positivement à la révélation générale, bon Dieu a eu accès à la révélation spéciale à partir de la révélation particulière. Et pour me capable véritablement illustrer ça que m'a dit là, on va le baou une étude de cas. Une étude de cas en la personne de Enoch. Et si nous songeons, j'ai précisé un message sur Enoch. Enoch sont un personnage qui particulier dans la Bible, son personnage qui spécial. On a l'impression que Enoch c'est l'unique en son genre, unique pour qui ça pour plusieurs raisons. On va regarder raison ça avec vous. Premièrement, Enoch c'est le septième après Adam. C'est ça que la Bible dit dans Genèse 5, verset 5 et verset 19. Donc, cinquième, septième après Adam, en termes de génération. Donc, sept générations après Adam.
qui ça ça veut dire? Ça veut dire que Enoch n'est pas juif et ça veut dire tout Enoch n'est pas sous la loi, n'est pas connaît la loi. Donc nous devons nous comprendre que yon moun qui pas juif, yon moun qui pas connaît la loi et cependant qui monte dans le ciel. C'est ça la Bible dit nous, il monte dans le ciel selon Genèse 2 verset 22-24 qui dit que les jours d'Enoch furent de 370 ans, plus Dieu le prit car il ne fut plus. C'est ça qui passait à Enoch. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais lorsque vous lisez Hébreu, Hébreu a dit exactement pour qui ça Enoch montait dans le ciel. Enoch montait dans le ciel parce que la vie Enoch était agréable à bon Dieu. Et vous lisez ça lorsque vous lisez dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11 consacré à la foi. En pile, vous lisez Hébreu chapitre 11 comme l'hymne à la foi. Et c'est là présenté les héros de la foi. Donc, monde qui a gagné confiance dans mon Dieu, monde qui a gagné la foi dans mon Dieu. Et donc la vie Enoch était agréable à bon Dieu. Mais la Bible présente nous tout Enoch comme un monde qui t'a cherché bon Dieu. Hébreu 11 verset 5 à 6. Il présente nous car la foi est une ferme assurance. Il présente nous que Enoch t'a cherché bon Dieu avec un pile ferveur. Maintenant puisque Enoch t'a cherché bon Dieu avec un pile ferveur, au fond ça qui passé, Enoch t'a recevoir de la part de Dieu une révélation spéciale en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va regarder dans Jude 1er verset 14 à 15, on voit que Enoch pral parler de Jésus-Christ. Et ça son bagage extraordinaire pour que Enoch parle de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire que Enoch dans sa génération, il recevoir la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience et il décide de chercher bon Dieu dans sa génération. Et parce que Enoch décide de chercher bon Dieu quitte Enoch joindre et bon Dieu bail à Enoch qui ça une révélation sur Jésus-Christ. Donc Enoch t'a pas le premier monde qui t'a pas parler de Jésus-Christ. Comment on peut comprendre ça? La porte qu'on la Bible. Jésus-Christ porte qu'on vini. Tendez ça Enoch a dit. Jude 14 15. C'est aussi pour eux, c'est Jude qui a parlé. Il dit c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement. De qui sont connus Enoch Palo là? Le second retour de Jésus-Christ. Bah, ça pas fait, il pas bon chez de boule. Enoch qui parlé du second retour de Jésus-Christ. Des milliers d'années avant que Jésus-Christ fête. Parce que Enoch te recevoir de la part de Dieu une révélation spéciale en Jésus-Christ. Pour qui ça? Parce que Enoch, lorsque il a accès à la révélation générale de Dieu, il repentit, il cherchait bon Dieu quitte le joigne et bon Dieu a accès à une révélation spéciale. Et il dit que voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et que toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Et prophétie, ça, c'est prophétie qui est ancien qui existait sous la terre. Au compte qui leur prophétie, ça, tu vas le reprendre dans le livre Apocalypse. C'est-à-dire que dans la Genèse, où vient une prophétie qui est ancien, qui reprend dans Apocalypse. Et prophétie, ça, elle concernait le second retour de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a pris le fait des milliers, des milliers, des milliers d'années plus tard. Pour qui ça? Parce que Enoch te recevoir une révélation spéciale. C'est seulement une révélation spéciale qui est capable de permettre Enoch connaître que Jésus-Christ a pris le fait et que Jésus-Christ vient pour le retourner. Et qu'il était capable de formuler prophétie ça. Et donc c'est morceau prophétie qui est ancien et qui est capable d'exister sous la terre avant la venue de Jésus-Christ. Et Enoch, ce n'est pas seulement monde qui recevra une révélation spéciale sur Jésus-Christ. Pas seulement Enoch, ou capable de citer Job. Ça n'a pas jamais attiré l'attention que Job a parlé. Job, nous comprenons Job. Job fait avant Abraham. Job dans la génération avant Abraham. Abraham beaucoup fait. Job pas juif. Juif, nation juive commençait avec Abraham. Job pas juif. Mais on connaît ça, Job dit. Car je sais que mon rédempteur est vivant. Qui côté le jeune information ça? Qui côté le information que le rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre? Parce que Job, la Bible présentait Job comme un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Parce que Job a cherché bon Dieu prend Job, libère Job accès à une révélation spéciale en Jésus-Christ concernant le Rédempteur. Et non seulement libère Job accès à ça, amis, Job y a gagné le tout.
Mais non seulement Job a accès à bagay ça, Abraham a accès à révélation spéciale. Où connaît Abraham t'étendait l'évangile? Pas extraordinaire. Abraham tendait l'évangile, Abraham tendait Jésus-Christ, Abraham acceptait l'évangile. Son pas extraordinaire. Non en tant que Jésus-Christ pour qu'aux jambes fait, mais cependant parce que Abraham, parce que nous devons comprendre le contexte Abraham. Abraham fait à Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, là, c'était une religion polythéiste que nous avons pratiqué. Tout le monde n'y a pas adoré, même genre avec les Indiens Taïnos en Haïti, il n'y a pas adoré le soleil, la lune et les étoiles. Mais cependant, Abraham, lorsque il gardait l'univers, lorsque il gardait la création de Dieu, lorsque il gardait la nature, il rendait compte non, bagay ça n'est pas capable là par hasard. Besoin d'une intelligence qui fait bagay ça. Besoin d'un être suprême qui fait bagay ça. Et Abraham dédié la ville à chercher être suprême ça. Mais selon le principe là, celui qui me cherche me trouve. Abraham cherchait bon Dieu, qui s'en pense écrire à Abraham. Il joint bon Dieu. Et non seulement Abraham joint bon Dieu, Abraham rencontre Christ. C'est ça la Bible enseigne dans Jean 8, verset 56, 57, 58. Jésus n'a qu'à une discussion très, capable de dire très chauffée avec des pharisiens. Jésus-Christ a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il l'a vu. C'est pas il le verra, il l'a vu. Abraham a vu le jour de Christ. Abraham, il recevait une révélation spéciale sur la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ peut quand même fait. Pour qui ça? Parce que Abraham t'a cherché bon Dieu. La Bible dit nous que lorsque bon Dieu relève Abraham, il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Bon Dieu conseille de bagaille, il n'a pas voulu cacher Abraham. Et c'est ça qu'elle n'a pas caché Abraham, la destruction de Sodome. Eh bien, bon Dieu n'a pas caché Abraham, son fils Jésus-Christ. Abraham a vu Jésus, il l'a vu et il s'est réjoui. Mais les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, avant, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Paul va l'expliquer nous que Abraham t'étendait l'évangile. Ça, c'est un bagage extraordinaire. Abraham tendait l'évangile pour qu'il sache parce qu'il t'a cherché mon Dieu. Galates 3, verset 8-9. La Bible dit nous que aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé quoi? Annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Bonne nouvelle à qui ça lié? L'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Abraham a reçu l'évangile. Abraham tendait l'évangile. Même lorsque l'évangile, il t'a pas venu des siècles plus tard, mais cependant, puisque Abraham t'a cherché bon Dieu bail Abraham accès à la révélation spéciale parce que Abraham te répond positivement à la révélation générale. Donc aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et donc, puisque Abraham t'a cherché bon Dieu, Abraham joigne bon Dieu. Il y a une chose que nous besoin qu'on ait sur la révélation générale, c'est que l'idée de nature universelle. Donc, c'est tout le monde net qui recevra la révélation générale. Aussi longtemps que vous existez, aussi longtemps que vous vivez, quel que soit côté vous vivez, que vous vivez en Chine, que vous vivez en Inde, que vous vivez au Pakistan, quel que soit côté où vous vivez, vous avez accès à la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience. Et parce que vous avez accès à cette révélation, vous comme ça Paul dit, ou inexcusable. Et donc, les gens qui perdent, les gens qui prennent dans l'enfer, ils ne prennent dans l'enfer parce qu'ils n'ont pas tendu à parler de Jésus-Christ. Ils prennent dans l'enfer parce qu'ils ont accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience et qu'ils n'ont pas répondu positivement. Donc, mes raisons qui mènent au monde dans l'enfer. Donc, il a décidé, c'est bon, c'est monde ça qui décide seul. Donc, lorsque vous avez accès à la révélation, puisque de nature universelle, vous avez accès à lui-même, ou pas répondre positivement, c'est vous-même qui décidez ça. Et qui sait, peut-être qu'il était capable de recevoir la révélation spéciale, là, il va prendre. Parce que je ne sais pas si vous réalisez que lorsque Jésus là, Jésus, physiquement, Jésus a fait miracle, mais ça n'a pas empêché que grand pile monde pas de croire dans lui-même. La Bible dit nous, ses frères et ses sœurs ne croyaient pas en lui. Quoique vous ayez accès à la révélation spéciale, mais vous n'avez pas de croyant en lui-même. Et c'est ça que Jésus a parlé. Il dit que le Sodome à Gomorre pour condamner des villes, tant que Corazin,
T'as coupé Bethsaïda, la condamné ville ça parce que six miracles qui fait dans ville ça yo, ils ont été faits dans Sodome et Gomorrhe, monde dans Sodome ont repenti. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que ou gain accès seulement à la révélation générale qui fait ça limiter capacité ou approcher de bon Dieu. Parce que justement révélation générale là, il faut deux bagages la caillou. Libre la connaissance de Dieu et libre la connaissance du péché. La connaissance du péché suffit pour repentir et approcher de bon Dieu. Maintenant, puisqu'on n'a pas approché de bon Dieu tout l'a pas approché de lui-même. Et donc, dans ce sens, le monde qui perd Dieu, il n'est pas perdu parce qu'il n'a pas attendu l'évangile, mais il est perdu par choix personnel. Même si il était tendu, il n'a pas accepté. Et c'est ça que je t'ai expliqué dans la conférence dernière, pour le monde qui a dit que Dieu se cache. Bon Dieu a assez d'évidence à le monde qui veut croire dans lui-même. Et bon Dieu a très peu d'évidence, sinon aucune évidence à le monde qui ne croit pas dans lui-même. Parce que bon Dieu omniscient. Dans son omniscience, bon Dieu compte tout le monde qui a cru. Bon Dieu compte tout le monde qui décide de croire. Et mais tout le monde qui décide de croire, bon Dieu a autant d'évidence que vous voulez. Mais le monde qui ne veut pas croire, bon Dieu n'est pas obligé d'avoir évidence. Ou pas croire. Vous faites même genre avec Corazin. Vous faites même genre avec l'autre ville. Vous faites même genre avec Pharisien. Comment comprendre que Jésus-Christ finit guéri un aveugle, un monde qui fait aveugle? Ou qu'on est pharisien ou là, qui ça pharisien ou dit, au lieu que pharisien ou rende gloire à Dieu, parce que vous faites témoin d'un miracle extraordinaire. Il y a un monde qui a 40 ans, mais aveugle qui ouais. Ou qu'on ça, monsieur, dit Jésus, pour qui ça c'est jour sabbat ou fait miracle là? Parce que cœur, son problème de cœur que lié. Parce que quelle que soit quantité évidence que bon Dieu baille certains mondes, il y a un monde qui pas jamais croire. Tout argument que m'a baille là, c'est pas argument véritablement qu'a fait monde qui pas veut croire ou quoi. Des gens naturellement pas vle quoi. Yo pas d'accord pour yo quoi. C'est choix yo, mais bon Dieu accepte choix. Ou du moins bon Dieu honore choix parce que bon Dieu pas forcer personne pour le quoi. Et c'est ça la Bible dit dans Matthieu 7 verset 13 14, lorsque la Bible dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. En pile monde, c'est ça yo choisi. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Pour qui ça? Parce que vous pas chercher elle. En général, c'est soit vous cherchez ou joindre. Soit pas chercher ou pas joindre. Donc question c'est qui ça? Nous fait mauvais choix à cause de péché que nous prenons plaisir la donne. Ou pas quoi? Tandis ça Job a dit dans monde palio. Job était un homme riche, extrêmement riche. Job, c'était l'homme le plus riche d'Orient. Job était plus riche qu'Abraham. Job était plus riche qu'Isaac. Lorsque la Bible a parlé de fortune Isaac, le mot multimilliardaire pour coexister, la Bible obligeait de créer toute une phrase, Moïse crée toute une phrase pour l'expliquer fortune Isaac. Il dit que cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. T'es qu'à dire multimilliardaire, mais mot ça pour coexister. Donc, il est obligé d'utiliser toute une phrase pour l'expliquer. Eh bien, fortune Job, il n'est pas capable de comparer. Alors, fortune Isaac n'est pas comparer devant fortune Job. Mais Job d'ap vivre dans le temps, Job ouais des mondes qui ont accès à la révélation générale de Dieu. Des mondes qui ont accès à la connaissance de Dieu et à la connaissance du péché, qui délibérément rejetaient Dieu. Tendez ça, Job a dit dans Job 21, verset 8 à 16. Job a dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Peut-être qu'un pile monde qui a posé cette question ça à tout. Lorsque vous regardez toute injustice qui a fait sous terre et tout le monde qui a fait injustice, vous avez l'impression que tout est correct pour eux-mêmes. Job a posé cette question ça dans ta parole. Job a dit, pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux en leur présence, leur rejeton prospère sous leurs yeux, dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours avec le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Mais cependant, attendez ça, dit bon Dieu. Mais ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Ils ont dit ça. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Yo deal, yo connaît, yo gain la connaissance de Dieu, parce que la connaissance de Dieu li existait dans la révélation générale. Yo connaît bon Dieu, mais yo rejeté bon Dieu délibérément. C'est ça Job dit, retire-toi de nous, qui ça pour faire bon Dieu? Tout bagarre en forme, ça pour faire bon Dieu.
Ou bien tout son besoin. Ou bien bonne santé, ou bien éducation, ou bien richesse, ou bien tout son besoin, mon Dieu. Retire-toi de nous. C'est ça que Job a dit dans Génération Pâle. Retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Étendez à arrogance là. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Ça que t'es bon Dieu. Ou bien son monde qui a parlé en connaissance de cause. C'est pas un monde qui est aveugle qui a parlé là. C'est un monde qui connaît bon Dieu. Qui connaît bon Dieu exister. Pour qui ça? À cause de la révélation générale dans la création et dans la conscience. Il connaît que bon Dieu existe. Et il dit, que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Pour ce qui est tout bagaille, sans besoin de la prière fait. Ou à la prière pour demander qui ça? C'est ça que j'avais expliqué. Retire-toi de nous. Que gagnerons-nous à t'adresser nos prières? Et c'est constat ça. Et lorsque Paul fait constat ça tout dans la génération par là, qui ça Paul dit, si nous regardons les prochains slides là, Paul dit, puisque ayant connu Dieu, c'est-à-dire que qu'on connaît bon Dieu, nous ne pas parler de monde qui pas connaît bon Dieu, parce que la connaissance de Dieu est universelle dans la révélation générale, création, conscience. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Tu es capable d'adorer le Dieu vivant et vrai? Mais cependant, nous préférons adorer le soleil, la lune et les étoiles. Nous préférons faire qui ça? Créer des idoles. Parce que la réalité, c'est ça. Vous avez deux choix. Soit que vous adorez le Créateur qui est béni éternellement, soit que vous adorez la créature. Deux choix. Mais lorsque Paul a parlé de idole, je dis à idole le plus subtil. Je dis à pas grand monde qui font statue vraiment pour adorer. Mais des fois, ce sont des cœurs où vous avez un pile idole dans le cœur. Tout ça qui prend place, bon Dieu, dans le cœur, sont des idoles. Tout ça qui est plus important pour vous-même, tout ça qui définit priorité dans la vie, sont idoles. Et le ça, ou adorer et servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et Paul a continué, il dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est-à-dire que bon Dieu, c'est comme si même ça a été fait pour Pharaon, lui mettons esprit d'égarement dans la tête pour être capable de perpétrer quoi au plus dans le mal. Les livrer à eux-mêmes. Et c'est ça la Bible dit, livrer à eux-mêmes selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils n'ont pas même rendu compte qu'ils ont déshonoré tête, parce qu'ils ont livré à eux-mêmes. Et c'est comme ces mêmes gens avec Balaam, lorsque Balak, si nous songeons l'histoire, lorsque Balak vient voir Balaam, il dit Balaam comme ça que, et Balaam a un problème avec Israël, parce que moi, il a grandi et qu'il y a vraiment pile problème. Comme qu'on a son devin, alors, et Balaam, c'est un devin très puissant à cette époque. Et il dit que, comme on sont devins, maudit Israël pour moi-même. Balaam dit que, oh, comment on va le maudit Israël là? Mon cher. Et puis Balak tourne, Balak dit comme ça que, bon, peut-être que je mal exprimé. Ma boy une forte somme d'argent. Maudit Israël pour moi. Au compte ça, Balaam répond, qui te mal la prière, mon Dieu, pour moi. Si on parle la prière, mon Dieu, bon Dieu, qui ça? Au compte là, la prière, mon Dieu, au compte ça, bon Dieu, dit, Balaam, au compte ça, passé, vous voulez aller? Allez. De monde, mon Dieu fait ça. Il y a des monde, mon Dieu, livré à eux-mêmes. Bon Dieu, bah où sont vlés? Ou pas vlés, bon Dieu, ou voulons l'autre bagaille, ou mandez bon Dieu, les bah où? Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et Paul a dit, eux, ils qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur corps, en sorte qu'ils déshonorent leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et jusqu'à présent, bagay ça a fait. Des mondes qui ont la connaissance de Dieu, mais qui choisissent délibérément. Pas besoin, bon Dieu, ça. Retire-toi de moi. Et Jésus pral dit pour qui ça? Dans Jean 3, le verset 19, Jésus dit que, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont fait quoi? Les hommes ont choisi. Les hommes ont choisi les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et donc, mes raisons qui font un monde aller en enfer. Mes raisons qui font un monde perdu. Un monde pas perdu parce que le patron n'est pas allé de Jésus-Christ.
yon moun perdu tout simplement parce que li gen accès à la révélation générale de Dieu dans la nature et dans la conscience, mais ça pas porté à chercher bon Dieu. Et donc mes raisons qui fait un monde perdu. Mais cependant pour tout monde qui gen accès à révélation ça, parce que tout monde gen accès à de manière universelle, pour tout monde qui gen conviction de péché ça. Parce que c'est ça révélation générale l'a fait. Il boit la connaissance de Dieu, il boit la connaissance du péché. Pour tout monde qui gen connaissance péché ça et que péché a fait au mal et que vous senti que vous voulez repentir et que vous voulez chercher bon Dieu ba yo accès à la révélation spéciale. Et ma bon l'autre exemple encore c'est l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8 verset 26. Pour monde qui pas connait histoire eunuque éthiopien monsieur en vacances, monsieur pralé à Jérusalem. Et lorsque monsieur sous Charlie, monsieur décidé que alors monsieur pral en pèlerinage, ou capable de dire ça, c'est une forme de tourisme à cette époque et tourisme de type pèlerinage. Et lorsque monsieur arrivé, monsieur acheté, si vous voulez monsieur acheté un livre. Quel livre monsieur décidé acheter? Ésaïe 53. Mais faut me dire que à cette époque, ou pas de quoi gagne imprimerie. Donc ça monsieur acheté, copie Ésaïe 53 monsieur acheté a, son copie manuscrite. Et donc yon copie manuscrite son bagage qui coûtait cher en pile. Pourquoi on a gagne cobli si ça le pral favel? Pourquoi son monde cap chercher bon Dieu? Monsieur a cherché bon Dieu, monsieur a acheté copie, hein? Monsieur sous Charlie, chauffeur a conduit lui, et puis monsieur chita derrière Charlie, monsieur a appelé, mais monsieur troublé. Parce que l'appelé Isaïe 53, l'a dit, de qui est-ce qu'il a parlé là? Monsieur troublé, il voulait qu'on ait bon Dieu davantage. Il a accès à la révélation générale de Dieu, mais il voulait qu'on ait plus. Il voulait qu'on ait révélation spéciale là. Mais on compte ça, bon Dieu fait? Bon Dieu dépêchait Philippe. Dépêchait Philippe parce que bon monde qui voulait comprendre. Bon monde qui voulait qu'on aime davantage. Monde ça Philippe à côté. La Bible dit nous que c'est l'esprit de Dieu transporter Philippe. Parce que bon monde qui voulait qu'on ait, à monde qui voulait approcher au de bon Dieu a baillé une révélation encore plus spéciale. Parce que vous voulez qu'on ait bon Dieu, mais à monde qui pas voulait qu'on ait bon Dieu va même occuper, même il va pas régler rien pour lui. Parce qu'on voulait qu'on aime. Et donc l'Iquito avec choix. Il les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur. Ils livrent eux-mêmes. Ou pas les connaître, ils livrent. Donc c'est où fait choix. Et donc, bon Dieu va voir personne dans l'enfer. Pour les gens qui posent cette question, à savoir, est-ce qu'un bon Dieu d'amour tout bon capable de voir les gens dans l'enfer? Bon Dieu, non. Un bon Dieu d'amour pas capable de voir personne dans l'enfer. Et déjà, bon Dieu pas préparé l'enfer pour l'homme. La Bible dit nous que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Il n'est pas fait pour l'homme. Mais cependant, l'homme fait choix. Parce qu'il y a deux monde qui est capable de venir dans un service. Ma bon exemple. Mon est capable de venir dans un service. Le service a duré une heure de temps. Mais quand il a gratté, il est mal à l'aise. Il ne va pas comprendre ce qu'il a fait là. Il y a toute qualité de problème. Il y a un problème. Il est capable de faire 4 heures de temps dans un cinéma, 4, 5 heures de temps dans un programme. Mais quand il vient là, 30 minutes, il y a un problème. La présence, bon Dieu, répulsif pour lui-même. Ouais, imagine au monde qui va passer l'éternité avec Dieu. Le monde va l'ennuyer la mort. Mais bon Dieu, pas voulu mon ennuyer. Bon Dieu, Dieu dit mon nom, mais que ta volonté soit faite. Ou pas les présences moins, et bien m'a fort cadeau absence moins. C'est ça bon Dieu fait en pile monde. Et donc tout le monde qui l'a fait, c'est par choix personnel. Mais lorsque Philippe guidé par l'esprit vers cet homme, Philippe commence à expliquer, monsieur Soubon, expliquer, monsieur bon Dieu, l'a dit comme ça que monde ça a parlé dans Isaïe 53, c'est Jésus-Christ. C'est le fils de l'homme qui était supposé venir mourir, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'a expliqué ça. Et lorsque monsieur Fingé a accès à ça, où on s'est passé, l'esprit bon Dieu en est. Prend Philippe, il téléporte, mène l'autre côté. Parce que tout simplement, bon Dieu, tu as besoin de monde, ça a gain accès. Et donc, la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Mes réponses là, à question pour étude nous. La destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés est scellée par leur choix de ne pas répondre positivement à la révélation générale. En d'autres termes, tout le monde qui n'est pas sauvé, c'est job par eux. C'est eux-mêmes qui ne veulent pas sauver, ils ont choisi. Pas sauvé et bon Dieu honoré choix. Mais moun pa gen moun k'ap perdu parce que le pas jamais t'entendé parler de Jésus-Christ. Donc des fois gen moun qui manque comprendre l'évangile qui dit que bon faut moi dégager pour mal faire mission, mal parler à moun ça yo, si m'pa parler avec, y a perdu sous compte moi, yo t'ai déjà perdu déjà. Yo t'ai déjà perdu parce que avant t'al parler avec yo pour t'al bailler la révélation spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ, vous avez eu accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, vous avez rejeté. Et puisque vous avez rejeté, vous avez été perdu. Est-ce que ça m'a dit là, m'a dit que le monde n'a pas à l'évangéliser? Ce n'est pas ça me dit.
moun supposé à l'évangéliser, parce que c'est ça Jésus-Christ ba nous comme mission, la grande commission, pour plus moun capable gain accès. Mais lorsque la Bible dit la grande commission, m'ta aimé ça clair pour un pile moun toujours penser que grande commission c'est aller mener moun l'église. Grande commission, Jean-Jésus dit, c'est pas aller faire moun vin chrétien, c'est aller faire des disciples. Donc c'est aller enseigner moun. Mais cependant, bon Dieu qui a un travail que le fait dans le cœur de monde déjà. Des fois, grand pile monde qui pensait que lorsque le prêche un message et puis plusieurs monde viennent à la repentance, c'est parce que le message là était extrêmement bien structuré. Mais ça, non, bon Dieu a un travail que le fait déjà. Parce que personne n'a pas approché de bon Dieu si bon Dieu n'a pas attiré. C'est ça que Jésus-Christ dit. Mais bon Dieu commence à attirer à travers la révélation générale dans la création et dans la conscience. Mais cependant, il y a une exception qui fait. Exception pour Timonio. Parce que grand pile monde qui est capable de poser cette question est Timonio. Est-ce que Timonio est capable de décoder la révélation générale de Dieu? Absolument pas. Timonio n'a pas une capacité pour faire ça. Et donc c'est ça qui fait Timonio exemple de bagaille ça. Donc bon Dieu, c'est lui-même qui juge la situation Timonio. Parce que il n'est pas capable d'interpréter la révélation générale de Dieu pour avoir la connaissance de Dieu, pour avoir la connaissance du péché. Et c'est même bagaille pour les enfants qui peuvent atteindre l'âge de la raison. Mais cependant, c'est bon Dieu qui juge ça, ce n'est pas la science. Parce que de toutes les façons, on est capable de prendre plusieurs timons. Un timon capable de 5 ans, 3 ans, il est capable d'atteindre l'âge de la raison. On est capable de un timon qui a 12 ans, il est capable de distinguer le bien et le mal. Donc ce n'est pas en fonction de. Alors, la Bible n'a pas évoqué l'idée de l'âge de la raison, mais la Bible tout simplement évoqué l'idée que le monde a besoin de répondre positivement par rapport à la révélation de Dieu. Maintenant, pour ceux qui s'agit des enfants, on est capable de lire dans 2 Samuel 12, versets 22 à 23. Donc ça a son indication. Mais ce n'est pas un bagage où capable de faire de lui-même une doctrine véritablement. Mais c'est tout simplement un indice que bon Dieu baou pour ce qui concerne la destinée éternelle des enfants. David, lorsque David péchait avec Bathsheba, nous songeons que Bathsheba est enceinte et que le sort Timon a fait. Mais David était extrêmement aimé Timon. Mais cependant, bon Dieu t'a puni David dans ce sens-là. Et Timon a mouru. Et lorsque Timon a mouru, servant David, Dieu a peur. Serviteur David, yo peur vinn bay David nouvelle là parce que yo tellement wè David a jeûné, David a crié devant mon Dieu parce que ti moun nan était malade pour que ti moun nan guéri. Mais lorsque wè ti moun nan mouri, David comme senti ça parce que David wè que et atmosphère a changé et il répondit et yo dit David que mais ti moun nan mouri, lorsque yo dit David ti moun nan mouri, yo seulement wè David entré dans chambre ni li bien elle parfumé, li mettra de soulé puis la flâner. Yo pas comprendre parce que wè monsieur était tellement abattu lorsque ti moun nan était malade. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais car je disais, qui sait, l'Éternel n'aura pas pitié, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Donc David a conscience qu'il t'a pas loué Timon ça dans l'éternité. Dans l'éternité bienheureuse, bien sûr, parce que David connaît le choisi de la part de Dieu. Donc David te connaît ça. Et donc, ça, c'est un indicateur qui montrait pour ce qui concerne le sort des enfants. En conclusion, il y a plusieurs bagages qui sont importants pour nous-mêmes, pour nous capables de cerner dans ça. Premièrement, il est difficile de rater l'existence de Dieu sur la base de la révélation générale. C'est ça que fait Paul dit que tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu, qui n'a pas confessé bon Dieu, qui n'a pas adoré le Créateur au lieu de la créature, donc nous avons inexcusable. Donc il est impossible de rater l'existence de Dieu à partir de la révélation générale. Et personne ne peut pas l'enfer parce qu'elle était faite dans mauvaise culture, parce qu'elle était faite dans mauvais espace géographique là. Maintenant, chaque monde responsable, chacun est responsable devant Dieu pour la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. Chaque monde responsable, parce que la révélation générale de Dieu est universelle, est accessible à tout le monde. Donc chaque monde responsable. Dieu est amour et il est juste pour apprécier la réponse de chacun. Donc bon Dieu est capable de voir toute réponse qui est sincère. Donc même si on n'a pas connu Jésus-Christ, même si on n'a pas jamais entendu parler de Jésus-Christ, une fois que on a eu accès à cette révélation générale de Dieu, dans la création et dans la conscience, et monde ça a décidé de chercher bon Dieu a permis que monde ça a joigné. Parce que c'est ça le dit. Donc très peu de monde a accès à ça, mais majorité de monde, Dieu suivent, pensez que j'ai expliqué. Donc tout le monde qui rejetait la révélation de Dieu dans la création et dans la conscience, il a rejeté Jésus-Christ automatiquement. Parce que automatiquement, rejeté le Père ou rejeté le Fils. Automatiquement, rejeté le Fils ou rejeté le Père. C'est ça Jésus-Christ dit.
sous honorer, c'est qu'on honore papa. Sous pas honorer, c'est qu'on pas honore papa. Et dernier pensée fondamentale là, c'est que ceux qui me cherchent me trouvent. C'est ça que bon Dieu dit. Et donc tout le monde qui a accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience et qui décide sous base ça que vous gagnez, même si l'information ça est incomplète. Mais l'essentiel, c'est que l'Iba a accès à la connaissance de Dieu, à la connaissance du péché, et qui décide de même chercher bon Dieu a quitté mon sa rejoigne pour être capable d'avoir accès à une révélation spéciale et pour ceux qui le concernent. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous et que nous comprenions le texte. En conclusion, donc tout le monde, en tout temps et en tout lieu, pour répondre à la question à savoir quelle est la destinée éternelle de ceux qui meurent sans avoir été évangélisés. Quel que soit mon nom, en tout temps et en tout lieu, quelle que soit époque là, quelle que soit la civilisation que mon nom fait là, quelle que soit la culture que mon nom fait là, automatiquement mon nom répond positivement à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience, et que mon nom a repenti, il cherchait bon Dieu a bâillé mon nom accès à la connaissance de Jésus-Christ. Même Jean, bon Dieu t'a fait ça pour Enoch, même Jean t'a fait pour Abraham. Même Jean l'a fait pour le nuque éthiopien, même Jean l'a fait actuellement là dans pile pays musulman, soit aller sur YouTube, ou bien plusieurs musulmans, abdou, m'te dormi, m'font rêve. Moi, Jésus-Christ paraît devant, mais ça fait m'vin chrétien. Jusqu'à présent, bon Dieu continue à agir. Et c'est ça Jésus-Christ dit, jusqu'à présent, mon Père agit, et moi aussi, j'agis. Et donc, bon Dieu à l'œuvre. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous, et je pense que peut-être nous capable de prendre une question si. Sinon, quand il est à 6h, 6h et quart, nous sommes capables de prendre peut-être une ou deux questions et si bien. Et des questions qui sont capables de viser à clarifier le concept. Merci. Bonsoir, docteur Jules. Question là, c'est par rapport avec Timounio. En tant que parent qui a élevé Timoun, comment un parent capable de diriger un petit monde, ou bien est-ce que c'est possible pour faire ça? Par exemple, le petit monde arrive dans l'âge, et puis il y a des parents, par exemple, qui ont dit que le petit monde faut qu'il baptise, faut qu'il. Donc, comment un parent capable de diriger un petit monde pour que qu'il aille vers connaissance en particulier ça? Très bien, et merci. Je pense que c'est une très bonne question, et parce que les parents ont une responsabilité pour instruire le petit monde. Et c'est ça que la Bible dit dans le Proverbe, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Mais pas oublier, m'a expliqué nous que tout ça que nous venons dans le livre Proverbe, ce n'est pas des promesses, c'est des principes. C'est-à-dire que par une garantie, parce qu'on a un petit monde en route que la Pkembel. À un certain moment de la durée, si monde n'est pas capable de faire choix à. Et si vous regardez bien, vous prenez un petit pasteur fait choix. Je dis à grand pile petit pasteur qui est grand, il fait choix. Donc c'est des petits monde qui levait dans l'évangile, des petits monde qui levait l'église, en pilatis ou bien dans la société, qui a fait toute une série de bagailles dans la société, c'est l'église qui a appris à chanter. Donc tu as accès à la révélation spéciale de Dieu. Mais cependant, il fait choix. Quel que soit le cas de figure là, bon Dieu permet tout le monde de faire choix. Cependant, pour un petit monde petit qui est beaucoup capable de faire choix, c'est-à-dire qu'il peut atteindre l'âge de la raison. Même j'en ai parlé dans la situation et petit monde David là, qui lui-même pour le prophète, il est mort-né. Mais pour tout le monde, bon Dieu, lui-même, c'est lui-même qui apprécie ça. Donc, ce n'est pas une doctrine que nous sommes capables d'enseigner de manière ex-cathédrale, nous sommes capables de dire, mais c'est tout simplement bon Dieu, c'est lui-même qui juge de cas. Mais chaque monde suppose faire choix. Parents ont une responsabilité pour instruire tout le monde, mais tout le monde a une responsabilité pour faire choix. Parents n'ont pas qu'à sauver pièce tout le monde. Ce n'est pas parce que vous croyez en bon Dieu qui fait tout le monde a besoin d'aller dans le ciel. Tout le monde va aller dans le ciel parce que lui-même, il fait choix. Parce que pour ceux qui concernent le salut, c'est une combinaison de grâce et de choix, indépendamment de dispensation. Il était comme ça sous Noé, sous Enoch, il est comme ça aujourd'hui. Donc il n'a pas changé du tout. Et il était comme ça sous la loi. Merci. Merci, docteur Jules. Il nous dit bon Dieu, merci pour Jean l'utilise, pour capable répondre à un pile gros questions que moi-même particulièrement que me gagne. Même si j'ai une petite question suite à la conférence, là. Est-ce que révélation générale, bon Dieu, à travers conscience et puis création, sous-entend que bon Dieu a une petite lit dans toute religion? Ou du moins, est-ce que le soutenir thèse œcuméniste religieuse? Merci. Non, et c'est une très bonne question, et très bonne question, dans le sens que est-ce que tous les chemins mènent à Rome?
Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Ce n'est pas parce qu'il y a un monde dans le christianisme qui fait le sauver. Un monde capable dans le christianisme qui n'est pas sauvé. Et c'est peut-être erreur ça que un pile monde fait longtemps. Dans le sens que yo associé l'arche de Noé à l'église. Et à cette époque, c'est une doctrine, c'est le salut par l'église. Automatiquement, l'église est sauvée parce que l'église représente l'arche de Noé. Ça, c'est un faux enseignement. L'église pas représenter, l'arche de Noé pas représenter l'église. L'arche de Noé représente Jésus-Christ. Donc, c'est uniquement au monde qui est Jésus-Christ qui est sauvé. Mais c'est pas au monde qui est l'église. Donc, dans le même sens, ça, si un monde qui est dans le christianisme, pas nécessairement au monde qui est sauvé, eh bien, on est capable d'appliquer le pour l'autre bail, on est capable d'appliquer pour le bouddhisme. Ou qu'a appliqué pour l'islam, ou qu'a appliqué pour l'autre religion, parce que ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est la relation avec Dieu. Et donc, automatiquement, on a accès à la révélation générale de Dieu dans la création et dans la conscience. On décide que vous cherchez bon Dieu, automatiquement sincère dans le choix, automatiquement sincère dans la quête. Là. Parce que ça, bon Dieu dit, ils font une promesse, et bon Dieu ne peut pas violer les promesses. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et bon Dieu n'est pas capable de violer les paroles. Donc automatiquement, on va chercher bon Dieu. Indépendamment de dans qui religion on est. On va chercher bon Dieu va conduire dans la vérité. Et donc là, ça va être capable de faire choix et pour orienter la vie. Mais pour ceux qui s'agit de est-ce qu'on a une religion X, Y, Z, ça n'a rien à voir avec. Donc en pile, le monde qui est dans le christianisme, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont tout simplement l'église, mais ils n'ont pas fait un choix intentionnel pour qu'ils marchent ensemble avec bon Dieu. Donc m'espérer ça. Ça répond à plus ou moins. Correct, merci. Et sinon. Oui, oui. Okay. Alors, merci pour la présentation. Ça que moi. Qu'est-ce que m'a posé, c'est le fait que vous dites réponse positive à la révélation générale, c'est lui qui fait au jeune salut. Et inversement, quand il y a là, non, slide où tu es passé, vous dites que. Le salut a toujours été une question de grâce et de choix. Oui. Question basée sur choix. Mais qu'on est choix, ça, est-ce que c'est au préalable ou du moins c'est au fil du temps l'avenir? Non, très bien. Lorsque m'a parlé de choix, c'est que indépendamment de dispensation, bon Dieu qu'on bagaille que l'offrir. Et par exemple, lorsque ou pour gagner la loi et ou t'es gagné révélation générale ça, ouais, et que ou t'es supposé répondre à lui-même, bon Dieu offrir ou lui son grâce. Il offre ou il par la grâce, mais on met où besoin font choix de lui-même. Lorsque vous venez la loi de Moïse, et donc vous venez la loi, bon Dieu offre ou la loi pour capable marcher, et donc là, ça vous êtes obligé de suivre. Et toute loi, c'était tout simplement, lorsque vous suivez la loi, en réalité vous suivez Christ. Parce que la Bible dit que la loi que Moïse était venu avec lui, c'était tout simplement un pédagogue pour être capable de conduire nous à Christ. Et c'est ça qu'on apprend en pile bagaille qui était dans la loi, c'était une représentation des choses qui t'apprennent pour venir après. Et donc c'était toujours un offre que bon Dieu fait. Même Jean-Jodi a bon Dieu offrir le salut par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais automatiquement nous dit par le moyen de la foi, ça veut dire que on va exercer choix. Parce que lorsque on a parlé de foi, on a parlé de confiance. Donc c'est comme si on gagne offre la fête, mais on même qui répond. Donc pour ceux qu'il s'agit de la révélation générale, l'universel, tout le monde gagne. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond positivement. Donc ce n'est pas tout le monde qui choisit pour répondre positivement. Et il y a des gens qui choisit pour répondre, pour ignorer. C'est ça que Paul explique dans 1 Corinthiens 1er. Et Paul dit que il y a des gens, puisque tout le monde a accès, mais cependant, il y a des gens qui délibérément ont choisi pour adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Et lorsque Paul a dit ça, Paul a énoncé un principe. Quel que soit le monde, il y a toujours deux options. Soit que vous adorez créateur, soit que vous adorez créature. Mais quel que soit quatre figures, vous adorez quand même, parce que nous tous, nous sommes des adorateurs. Bon Dieu crée nous comme ça. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc tout le monde aspire au divin. Tout le monde aspire, cherche un bagage qui est supérieur à vous-même. Tout le monde toujours cherche un bagage pour vous aduler, un bagage pour vous mettre sur un piédestal, parce que bon Dieu crée nous comme ça, en sorte que vous êtes capable de chercher. Mais cependant, il y a des gens qui prennent ça que bon Dieu mette dans eux-mêmes pour permettre de chercher. Ils ont tout simplement soit ils adorent tête, soit ils adorent le monde, soit ils adorent plaisir, soit ils adorent l'argent, soit ils adorent une série de bagages, soit ils adorent même l'œuvre de leurs mains. Ils ont posterné au-devant et donc ils ont choisi créature au lieu de créateur. Donc, ça va avec tout ce jusqu'à présent qu'a fait, mais c'est toujours une question de choix. Et c'est ça que Paul dit. Et c'est ça que Paul exprimait l'idée que.
Moun ki fè sa yo, yo inexcusable. Yo inexcusable parce que son choix délibéré que yo fait. Et parce que yo font choix délibéré, la Bible dit que Dieu les a livrés à leurs passions infâmes. Donc ça qu'on a une bonne expression créole là, quand on a dit on bête qui pas veut suivre ou voye code sous dol pour monde qui capable comprendre l'expression ça. Bon Dieu livré, mais c'est tout simplement bon Dieu permettre que volonté au fait. Parce que au final bon volonté qu'a fait. C'est soit qu'on quitte volonté bon Dieu fait dans la vie ou bien bon Dieu a dit fait propre volonté pas ou dans la vie pas. Mais tout choix a des conséquences. Donc on choisit bien, bon conséquence qui marche avec lui ou mal choisi, bon conséquence qui marche avec lui. Et tu as une question là. Quoi, c'est la dernière question après pour que le louange et l'intervention. Oui. Un peu plus fort, oui. J'ai l'impression que le micro, ça n'a pas. Okay, merci, ouais. Docteur Jules. Question que c'est que je me souviens d'un verset qui dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il y a quelques fois dans l'évangélisation qu'on a parlé au monde, il dit, ah, moi, je ne suis pas destiné. Il y a un bon Dieu qui est prédestiné en série de monde pour la vie éternelle. Donc, bon Dieu, je crois que bon Dieu par a un parti pris parce que bon Dieu remet tout le monde. Nous t'en remets, s'il vous plaît, au fond, il éclaircit sur verset ça. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle coururent. Oui, et très bien. Merci. Effectivement, avec des apôtres, il dit ça. Je n'ai pas de chance pour m'élaborer la donne. Peut-être nous sommes capables de faire une conférence sur ça. Mais lorsque la Bible a parlé de l'aborder concept prédestination, il est plus à aborder dans le sens de la préscience de Dieu. En sorte que bon Dieu compte tout le bagage. Bon Dieu est contre tout le monde qui a sauvé. À l'avance, il connaît s'il veut. Il a accès à somme. C'est ça veut dire l'omniscient. Omniscient veut dire qu'on compte tout le bagage sur tout le bagage que vous êtes capable de connaître. Tout le bagage. Donc bon Dieu, il connaît tout le monde qui a cru. Et donc, mon Dieu, bon Dieu inscrit nous dans le livre de vie de l'agneau. Donc, non pas inscrit dans le livre de vie de Jésus-Christ. Lorsque vous dites prier pour moi, vous voulez accepter Jésus-Christ, non, vous êtes inscrit déjà, parce que bon Dieu te connaît à un certain moment de la durée. Lorsque vous avez accès à la révélation, vous avez choisi positivement. Parce que bon Dieu, quand vous choisissez, bon Dieu a fait préparation pour vous déjà. Mais il y a deux mondes, bon Dieu, vous n'avez pas choisi. Indépendamment de l'évidence. Quelle que soit qualité évidence, yo ouais, il y a deux monde qui capable ouais, bon Dieu paraître devant eux personnellement là, ou pas pour dans lui-même. Et c'est exactement ça bon Dieu fait. Parce que t'es qu'on le et Israël t'es besoin ouais bon Dieu et puis il exprime dans somme oh Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, toutes les montagnes s'ébranleraient devant toi. C'est exactement ça bon Dieu fait. Il déchire le ciel là, il descend dans la personne de Jésus-Christ. Vous comprenez ce qui s'est passé? La lumière est allée chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc c'est pas évident, il y a des gens qui ont un miracle qui pas quoi. Et quel que soit, il y a des gens qui naturellement n'ont pas décidé pour quoi. Et Jésus expliquait ça dans le présenté dans le texte là. Et ils ont décidé pas quoi parce que tout simplement leurs œuvres sont mauvaises. Donc ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que ils ont préféré les ténèbres à la lumière, bon Dieu les honore choix. Parce que la réalité c'est que quel que soit choix fait, bon Dieu a honoré. Ou fait choix pour bon Dieu a honoré le, ou fait choix contre bon Dieu a honoré le choix. C'est comme ça que bon Dieu fait. Merci beaucoup, je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous, et à la prochaine, c'est le quatrième mercredi du mois, on a bien l'autre, et enfin, quatrième mercredi de juin, troisième mercredi, n'est pas possible, mais quatrième mercredi, on a bien l'autre conférence, et que je vais communiquer nos thèmes. Je souhaite que bon Dieu soit capable de bénir nous, en nous la prier. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité et que vous bannez, Seigneur. Seigneur, vous révélez tête, vous ne pas quitter nous dans le noir. Et vous révélez tête, Seigneur, dans la révélation générale, et dans la nature et dans la conscience, Seigneur. Et qui permettent nous capables de connaître, et qui permettent nous capables de connaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, comme si ça pas suffit, Seigneur, vous révélez de manière spéciale dans les Écritures et en Jésus-Christ. Et Seigneur, comme si ça pas suffit, vous continuez à révéler tête, Seigneur, de manière particulière. Jean que vous parlez avec nous, Seigneur. Jean que vous orchestrez des circonstances dans la vie, nous. Seigneur, nous disons merci pour toute bagaille ça que vous faites pour nous-mêmes, Seigneur. Nous croyons en vous, nous disons merci pour présence. Nous disons merci, Seigneur, pour chaque monde qui est là. Il est capable de recevoir enseignement ça, Seigneur. Nous prions que le capable, Seigneur, comme une pierre dans la vie, comme une semence dans la vie, au Seigneur, qui va germer. Et Seigneur, qui est capable de porter des fruits et pour l'éternité. Nous disons merci. Et Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes et pour tout ce qui va passer dans la vie. Nous.
Et Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus et que nous t'en prions. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.